la Vaude. Alors, la leçon 3, il n'y a toujours pas de nom spécifique, et il y aura petit changement, dans le sens que c'est vrai que la traduction, on le faisait directement après le vocabulaire, sauf là, on va la faire à la fin, parce que c'était un peu galère, et au moins on va voir toutes les explications grammaticales. Vocabulaire de référence et information sur différentes choses et le vocabulaire classique. Là, comme il y en a beaucoup, je vais pas forcément tout écrire, sauf certains en kanji. S'il y a possibilité, peut-être des trucs déjà dit avant. Alors, Koko, ici cet endroit, Soko, là, là-bas, cet endroit, c'est près de vous. Asoko, là-bas. Donc là, c'est comme ce qui était avant, c'est comme coller, soler, aller. Donc Koko, c'est proche de l'interlocuteur. Soko, c'est proche de... Comment ils appellent ça ? Du réceptionneur. Et Asoko, c'est loin de des deux. Doko, où ? Donc, par exemple, où vas-tu ? Doko... Doko ni ikimasu ka. Je crois que c'est ça. C'est mémoire. Kochila. Cette direction... Si. Ici. C'est une exertion polie de Koko. Sochila. Cette direction-là, là-bas. Expression polie de Soko. Achila, cette direction-là, là-bas. Expression polie de Asoko. Et Dochila, quelle direction ou expression polie de Doko. C'est pareil. Toujours, voilà. Moi, je le prenais plus, c'est vrai qu'en mode... si tu veux directionner des gens. Donc là, il n'y a pas de... Kanji. Kyoshitsu. Kyoshitsu. Celle de quoi? Shokudo. Shokudo. Restaurant cantine. Jimusho. Bureau. Kaigishitsu. Salle de réunion. Uketsuke. Accueil. Lobby. Hall. Un lobby. Lobby. Et c'est une halle d'entrée, par exemple. Heya. Salle, chambre. Toilo. Non. Ah, lui, à chaque fois que... Katakana. Mais pourquoi il dit toiletto? Là c'est toilet. Toilette. Tiens. Pourquoi en fait à chaque fois j'entends toiletto? Toilet. Kaidan. Kaidan. Escalier. Et les bêta, ascenseur, et sukaleta, escalator, jido han baiki, distributeur automatique, danois, téléphone, kuni, pays, ou okuni, pour la version un peu plus polie. Kaisha, entreprise, société. Uchi, maison. Kutsu, chaussure. Nekutai. Nekutai, pardon. Nekutai, cravate. Wine, vin. Ah ? Pourquoi c'est
Oui, non, pas. Why? 20. Ouliba. Rayon. Chica. Sous-sol. Quelque chose. Kai. Ou Gai. Ça dépend. C'est un étage. On peut. Ichikai, c'est le premier étage. Enfin. Attention, parce que le premier étage est le Nikai en japonais. En fait, le Ichikai, c'est le rez-de-chaussée. C'est vrai que y a ce côté-là. Ouais. Nangai, quel étage? Quelque chose. N. Donc là, ah, petit kanji. En fait, c'est le yen. N. Ikula, combien? Ikula, c'est plus pour combien, mais en termes d'argent. Combien ça cela coûte? Yaku, 100. Donc là oui, il faut que j'écrive en N. Lui pas yen, mais N. Et lui petit A Yaku. Sen 1000. Peut-être un peu plus grand quand même. Voilà. Donc lui qui ressemble beaucoup au Chi des katakana. Sauf voilà, il y a une petite diff en, comme ça que je la vois. Là ça part un peu en mode virgule. L'autre c'est très droit. Et man 10 000. Et ce qu'on dit c'est donc je reste comme ça. Ah non, attends. Ouais, je sais pas le traçage. J'avoue que j'ai un doute. Maintenant. Alors, Sumimasen, excusez-moi. Domo, merci. Ila Shaimas. Bienvenue. Salutations adressées aux clients qui entrent dans un magasin. Donc c'est pas toi qui va le dire. Ah, t'es le client. C'est les gens qui. Et d'ailleurs, la plupart du temps, de mémoire, tu ne dis pas bonjour. Eux, ils vont faire bah bienvenue. Ila Shaimas. Et, tu fais un signe de tête en mode d'accord, mais tu fais pas normalement, je crois que tu dis pas konnichiwa par exemple. Ah ouais, là non, mais à ce niveau là c'est plus une expression, c'est une phrase quoi. Misete kudasai. Donc, en gros, c'est, ouais, c'est vraiment plus une phrase. Dans le sens, mais c'était Kudasai, montrez-moi s'il vous plaît, est-ce que je peux voir, entre guillemets. Mais quoi, tu vois. Donc tu vas plus, enfin, tu peux l'utiliser juste comme ça, mais c'était Kudasai. Mais par exemple, je sais pas, Isuo, mais c'était Kudasai, est-ce que je peux voir la chaise s'il vous plaît. Alors,
Après, ça dépend de la conversation. Donc, on peut l'écrire parce que... En plus, je le connais. Kanji. Lui, c'est mis. Ah. Mi, qui Misete qui vient de Milou. Voir, regarder. Il dit avant, bah t'as. Voilà. Est-ce que le jaune ça se voit? Ah, pas sûr. Voilà. Oh, Misete, quoi. Ja! Alors, eh bien. Quelque chose au Kudasai, donnez-moi. Donc pareil, je sais pas. C'est ben. On avait dit Isu. C'est ça? C'est la chaise. Donc Isu au Kudasai. Passez-moi la chaise. Passez-moi la chaise, s'il vous plaît, quoi. Donnez-moi. Alors là, c'est comme ça. Je te donne un peu de vocabulaire par rapport au pays et à certaines villes. Italia. Italie. Suisse. Suisse. France. France. Jakarta. Jakarta. Bangkok. Bangkok. Berlin, Berlin, Chine, Osaka, Chine Osaka, nom d'une gare à Osaka. Ah. Donc t'as Chine, Osaka, c'est le O de grand, et c'est celui là. Et Shin et Saka, c'est d'autres kanji. Alors, est-ce qu'on ferait pas le vocabulaire et références et informations? Oui. Ah, c'est ça va être aussi pas mal les étages. Ah oui, non mais c'est un grand un grand magasin. Des pâteaux. Grand magasin. Puis est-ce que. En fait, grand magasin, ouais, c'est. Est-ce qu'on dirait pas plus. En français, les. Comment dire. Ah. Les. Oh, j'ai oublié le nom en français, au secours. Là où en fait t'as plusieurs magasins qui centre commercial. Oh là là. La question hein, que je pose, mais ok, est-ce qu'il y a beaucoup de grands magasins? Enfin, il y a des grands magasins, mais c'est plus ouais, des centres sur plein d'étages et en fait à chaque étage t'as vraiment différents trucs. Après, ça peut être la un peu la même enseigne, mais à voir.
Alors, Okucho, Yu Enchi. Donc, Yuanji, air d'amusement. A priori. Donc là, ça va se répertorier plus en mode. Il y aura pas mal d'étages. Donc c'est un peu galère sur cette petite feuille qui est en mode paysage. Parce qu'il y en a beaucoup. Au secours. Attends, ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est chelou. Et le toit, hein, faut pas oublier. Donc, Okujo, c'est peut-être. Ouais, c'est toi alors. Je vérifie, mais. Comme je l'ai pas encore. Ouais, c'est toi. Je vais les écrire sur le côté gauche. Est-ce qu'on peut pas avoir une taille plus petite? Donc là, c'est une présentation d'un grand magasin. C'est un exemple. Donc tout en haut, il y a un art d'amusement qui est le Yuanchi. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on commencerait pas directement par le premier étage qui est là? Le rez-de-chaussée pour nous. Ça vibrote. Ah, oh, ça commence bien. Écran noir. Ça réapparaît. Donc, premier étage. On va peut-être faire des couleurs pour que ce soit un peu plus digeste. Donc, t'as des kutsu. Cabane. À coup. C'est salé. Et des Keshu Hin. Donc, Kotsu, on a vu, c'était les chaussures. Puis, Kaban, ça on connaît. C'est les sacs. C'est un peu chelou. À coup, c'est Sali. C'est des accessoires. Donc là, ça va faire pas mal de vocaux aussi. Et pour finir, le Keshuhin. C'est produit de beauté. Écrire en kanji pour For the Lols. Donc, attends, lui je le connais. Je vais vérifier ça juste après. Après, je crois en fait. Attends, comment tu. Ah, des fois en fait, t'as des petits machins. Non. Après, ça va être ça. Ça.
Voilà. Ouais, c'est. Des fois, en fait, t'as des petits traits. Est-ce que tu les mets avant ou après? En fait, normalement, t'as un ordre, mais des fois, pour certains kanji, j'ai vu qu'il y avait quelques changements. C'est un peu embêtant. Donc, je vais mettre un petit astérisque là. On va mettre tac, 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 tac. Pour pas trop surcharger à droite. Voilà. Ok, c'est le premier. Deuxième kanji. Ah oui, parce que là on dirait qu'il y en a trois. Mais on sort le tac. Tac. Voilà. Il y a trois kanji en fait. Celui-là, voilà, c'est un seul et unique. Je suis peut-être trop espacé. Pas facile. Donc lui, là, juste au-dessous, c'est Ke. Sho. Hin. Oui, Hin. D'ailleurs que je vais aller vérifier. Pour vous dire le premier, vu que ça me dit un truc. Qu'est-ce que ça vient d'où donc? Et mais on peut déjà voir que le troisième, c'est association de trois kanji avec enfin, du kanji de la bouche. Toujours, il me dit que. Ah non, c'est d'autres que j'ai vu. Ah. Ah oui, je l'ai vu autre part, c'est pour la fleur. Et la fleur, il y a un rajout d'un autre élément aussi. Ouais, c'est ça doit être pour ça que je le connais, mais. Enfin, déjà vu. Mais là, il est tout seul en fait. Donc. Comme le deuxième, tu vois, il est un peu bizarre, mais normalement c'est plus. Tac, 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 tac. Donc là, on voit l'arbre avec deux nouveaux éléments. Avec donc tac, 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 tac. Et lui, c'est Kanji du sol. Mais est-ce que tous ensemble, ah, c'est un peu embêtant. Donc au premier étage, il y a ça. Deuxième étage. Donc les étages se comptent en kai. Ou en gai, comme on va voir pour le troisième étage. Parce qu'après, c'est des affaires de liaison. Alors. C'est le Fuji Jin Fuku. On va l'écrire. Comme j'ai. Donc le premier fou a un kanji à lui, mais un peu vénère. Même si... Ah, est-ce qu'on pourrait pas... Ouais. Allez. Tac, 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 tac. C'est un E à l'envers, on va dire. Qui est là. Je vous jure, c'est écrit tout petit.
toute façon, c'est des kanji un peu plus avancés, peut-être dans le deuxième bail de kanji que j'ai pris, qu'on fera plus tard, on apprendra exactement ce que ça veut dire. Mais là, on peut voir ici, ça c'est le kanji de la femme, par exemple. Ça c'est kanji de personne. Donc Jin, par rapport à Flansu Jin, c'est ce kanji là, Hito. Personne. Le dernier. Ah mais attends. Donc là c'est kanji de la lune. Ensuite. Ah, c'est un bail comme ça. Donc ça, ça devrait être vêtement. Le dernier, ça voudrait dire vêtement, je suppose, parce que au troisième étage, on peut rencontrer justement là, c'est Guy. Le même kanji. Et c'est les vêtements pour hommes. Donc, c'est Shinshifuku. Un Foku. Ouais, c'est vêtements Foku. On l'avait vu. Il y a même pas les. En fait, il y a même pas les vêtements dans dans le Voka. Ça, c'est le fil, mais qui est associé tiens c'est pas Otoko. Ah, Otoko c'est autre chose. Étrange. Ensuite, celui-là, il t'a toujours, justement. Ce kanji-là. Donc c'est pour ça que je suppose que ce kanji-là, c'est les vêtements. Donc le premier dans le Shin, donc lui, c'est... Donc celui-là, celui du fil. Et le deuxième, je crois pas l'avoir déjà vu. Parce que homme, Otoko, c'est lui. Hein. Associé. Voilà. C'est Otoko. Qui est un mélange de du kanji de du chant et de la force. Ça c'est le chant. Et je crois que tu l'écris comme ça le chant et ça c'est la force. Enfin je l'ai mal fait mais. Alors on va les mettre sur le côté. Toujours le petit Astérix qui sont en face. Alors fou. Jin. Foucault. Et le troisième c'est Shin. Shi. Voilà. Shinshifuku et Fujinfuku. Pourquoi la question du pourquoi du comment est pas un peu comme tu vois c'est pas un peu la même chose tu vois il n'y a plus Jin tu vois il n'y a plus personne bonne question. Alors, quatrième étage.
Donc là-dedans, c'est plus le IKEA style. Donc t'as le kaku, kagou, pardon, kagou, meuble. T'as le shoki, la vaisselle, et le denkaseina. Denkaseina. C'est les produits électroniques. Donc là, je vais les écrire en hiragana classique. Sachez que tout a le kanji. Hein. D'ailleurs, le K c'est premier. Enfin, comment dire? C'est celui-là hein, en termes de kanji. C'est un qu'on n'a pas encore vu et le Hin c'est les trois bouches. Voilà, donc kagou, meuble, shoki, vaisselle et denkaseihin, produit électronique. Cinquième étage. Alors là, c'est plus enfant. C'est les rayons des enfants. Alors, il y a. Ah, c'est. C'est simple, hein. Kodomo, beaucoup. Vêtements d'enfant. Amocha. Omocha. Pardon. Omocha. Jouet. Han, libre. Et Bun. Bunbo, goût, fourniture de bureau. Ah. Donc, je vous l'avais montré, mais ça, voilà, ça c'est co. Là, il n'y a pas de kanji en fait à Domo. Puis, bah, les vêtements. Non, il touche pas. Hein. Après, t'as jouet, c'est Omocha. Pas de kanji. Han, lui. Ah, on le connaît à force. Et il y a Bun Bo Gu. On est sûr de bureau. Donc, lui, je vous le dirai après. Ensuite, je le fasse bien. Et lui, on va l'écrire full kanji. Facile et le goût, attends, il y en a combien? Ouais, il y en a un peu plus. Hein. Tac, 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 tac. Non, tac. Voilà,
Alors là, il y en a plusieurs, donc on va commencer par le lui. Donc c'est Ko. Do. Je suis pas trop. Je suis un peu trop haut. Odomo Fuku. Vêtements pour enfants. Nouvelle couleur. Donc lui, bon, bah. C'est Han. Et. Marron. Lui. Tuk-tuk-tuk. C'est. Ah, j'ai un truc dans l'œil, je crois. Fourniture de bureau. Boon. Bo. Bo. Goût. Voilà. J'espère que c'est compréhensible. Alors, en fait, le premier co. Enfants, après, en fait, Kodomo, c'est vraiment jeunes enfants, si je puis dire. Ron, là-dessus, c'est tranquille. Mais ça va être plutôt pour le les bureaux, les fournitures du bureau. Alors, donc là, il y a trois kanji. T'as le premier kanji. Je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Donc le premier kanji, celui-là, c'est kanji de phrase, tout seul. Hein. Quand je dis kanji, hein, rappelez-vous que c'est toujours seul. Si tu le vois seul, c'est voilà, l'idée veut dire ça. Voilà. Après, en fait, t'associes quand tu fais des phrases, machin, tout ça, quoi. Comme livre, bah, si tu mets tout seul, c'est un livre. Mais après, si t'associes, ça va être livre, je sais pas, d'aventure, de fantastique, de ce que vous voulez. Phrase. Ensuite, j'ai l'impression que... Wow. Regardez, le deuxième. Bon, je sais pas trop, mais attention. Comment dire ? Parce qu'au départ, je pensais que c'était... je suppose, association de kanji, lui aussi. Là, celui-là, le en dessous. En gros, ce qu'on avait vu, c'était pour le 10 000. C'est ça. Ouais, un truc comme ça. Que là, c'est plus. Voilà. Vous voyez ? Petite différence là. Là, ça dépasse. Que là, ça dépasse pas. Donc attention, après j'avoue que pas vu encore, donc voilà. Mais le troisième, c'est aussi un peu le cas. Il y a Raju qui me fait penser grandement aux fruits de mer. Fruits de mer qui est après, il y en a plein qui se ressemblent, qui est ça, sauf là, il y a une barre entre les deux. Oui, mais ce serait bizarre de mettre des fruits de mer, en fait. Je dois avouer que... Donc, ouais, fourniture du bureau. En fait, t'as toujours t'as le kanji de la phrase. Donc, avec le bureau, ça va être... pour écrire, quoi. En fait, c'est ça, quand je décompose comme ça, c'est que en fait, t'arrives plus ou moins à comprendre, ok, d'accord, un peu les trucs. Passons au sixième. Enfin, je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, c'est en fait, plus dans le sens que des fois, ça m'est déjà arrivé que je vois des kanji. Enfin, et comme je les connais pas tous, il y en a je sais pas combien, mais si il y en a que je connais, je vais être là en mode ah bah attends, ça veut
Celui-là, je connais ça, ça veut dire ça. Est-ce que donc ça pourrait s'apparenter à ceci. Mais tout ensemble, souvent, t'es là, tu fais oh, c'était bien ça. D'accord. Voilà. Sixième étage. C'est le Tupotsu. Yo Hin. Alors, c'est les articles de sport. J'ai bugué un moment, mais c'est pas ça. Parce qu'en fait, après, t'as. Ouais, il est pas comme. C'est pas la lune là. Alors, en gros, c'est tac tac tac. Tac tac tac. Ouais. Vous préférez voir un peu plus grand. Et bien évidemment, je sais pas pourquoi, mais les trois bouches. Après, Hin. Ça voudrait dire. Ce serait pas le produit en fait. Parce qu'on a vu avec bah, justement les produits de beauté. Donc quelque chose produit. C'était produit électronique. Donc d'électronique ou produit. Et là, article de sport, sport produit. Voilà. Plus. Comme ça. Et il y a les articles de voyage. Articles de voyage, voyage produit. Donc c'est Lyoko Yo Hin. Là les kanji sont un peu vénères donc. Ce flic qu'on va voilà. Donc là si ça change pas je veux pas forcément lui réécrire les Hin machin. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Ah lui pour le deuxième bon. Tsupotsu. Je peux dire. Et j'ai écrit trop. Je pense que pour le septième étage, il n'y en aura pas forcément besoin. C'est les montres et les lunettes. Donc, montre, Tokei. Lunettes, Megami, Megane. Megane. Non. Ça peut être écrit en kanji aussi, mais vénère. Je vérifie, ouais, en fait, yes. Le huitième étage. C'est le restaurant et hall d'exposition. Donc, la sous-tolan. D'exposition Moyo Shi Monogai Jo. Mm.
Les chiens, ils sont bizarres. Voilà. Moyo, c'est un kanji aussi. Et Mono. Kanji. Kai. Kanji. Et Joe. Kanji. Mais. Un peu vénère. Ensuite. Bah. Il y a les étages, mais il y a les sous-sols. Voyons. Alors. D'ailleurs, je l'ai pas écrit en kanji, celui. Je vais juste. En rouge, pour lui. C'est celui-là. Ah. C'est, ça veut dire. C'est le kanji de haut. Au-dessus. Voilà. Donc le toit. C'est au-dessus. Pareil pour le sous-sol, tu vas avoir le kanji de... Bah, en dessous. Évidemment. Donc c'est... Chi. Ka. Ichikai. Et là c'est... Chi, ils sont un peu là. Chika ni kai. Donc au moins un, il va y avoir l'alimentation. Shoku hin. Donc des produits alimentaires. C'est ça qu'on retrouve les louches. Et au moins deux, le parking. Chu. Cha. Ju. Donc le chu, il est vénère, mais... Ah, c'est un peu relou. Petit you. Lui. Tac, 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 tac. Je le referai juste à côté parce que. Voilà. Non, c'est petit yo. Voilà. C'est en un seul mot, hein, théoriquement. On va peut-être mieux écrire les signes. Ce serait de banal, là. Tac, 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 tac. Pourquoi je le mets? Parce que ça, c'est le kanji de la voiture. Cool au moins. Donc. D'ailleurs, on peut mettre en orange celui-là. Et l'autre, c'est pareil. Donc, c'est vraiment pour lui. Lui, là, c'est K. Et c'est le kanji de en dessous. Ouh, on a fait tous les étages. Bon. Moult Moka. Intéressant. Alors, comment on dit en premier étage chez Ichikai, Nikai, Sangai. Yangai. Yankai. Gokai. Lok. Attends, est-ce qu'il y a. Parce que pour le 6 et le 8, il y a souvent des liaisons. Est-ce que c'est Lokai? Je crois que c'est Lokai. Nanakai. Hap. Kai.
Loco. Hachi. Pour 6 et 8. Pour les moins, comme vous, en plus on peut le voir, il n'y a pas de zélo ou de lait. Donc là, en fait, c'est 1 et après moins 1. Donc Chika, Ichikai, Chika, Nikai, Chika, Sangai. Et ainsi de suite. Voilà. Ça fait pas mal le petit truc en plus. Alors, yes, ça fait 50 minutes. Ah, lui il était un peu long. Voilà quoi. Donc, si vous allez dans un centre commercial, vous êtes paré. Presque, parce qu'il y a encore pas mal de choses, mais voilà, on trouve pas que ça. Alors, explication grammaticale. Laissez-moi juste prendre. Attendez, je vous remets celui d'avant pour bien imprégner. Un petit peu d'eau, parce que. Je commence à avoir méga chaud en fait. Que vous entendez pas trop. Le ventilo. Ouf. Ah. Ouais, allez chercher un peu d'eau. Et après, on va enchaîner explication grammaticale. Ça va être assez costaud. Même si le premier point, on l'a déjà expliqué par rapport à la. Enfin, on l'a déjà fait plus ou moins par rapport à la leçon 2. Parce que c'est Coco, Soko, Asoko, Kochila, Sochila et Achila. Donc, ça, c'est. Donc, rappelez-vous les petits dessins qu'on avait fait. Mais. Les par rapport les distances. Bon là ça va, je vais juste le dire, je vais pas refaire les dessins. Il y aura un peu plus d'explications. Waouh, des mails incroyable. Alors là, je blanche. Donc, Coco, Soko, Asoko, Kochila, Achila, Sochila, Achila. Je vais au moins les écrire. Et en fait, tu peux. Attention à Kochila, Sochila et Achila. Ça peut être utilisé par rapport à des personnes. D'accord. Enfin, on verra peut-être après. Alors, Coco, Soko et Asoko indiquent des lieux. Coco désigne l'endroit où le locuteur se trouve. Coco désigne un endroit où se trouve l'interlocuteur. Et Asoko désigne un endroit qui est loin du locuteur et de l'interlocuteur. Ça voilà. Préparez-vous à la leçon 2 avec les petits dessins. Kochila, Sochila et Achila sont des démonstratifs de la direction. Mais ils sont également utilisés pour montrer un lieu à la place de Coco, Soko et Asoko. Dans ce cas-là, la phrase est plus polie. Voilà. Note,
quand le locuteur considère que l'interlocuteur se trouve dans son champ. Il peut utiliser coco pour désigner l'endroit où les deux se trouvent. Donc on va dire cette place là, ici, et ils sont tous les deux dans la place. Voilà. Soko pour l'endroit un peu plus loin, et Asoko pour un endroit éloigné. On est à cette table. Imaginez une table. Oh, il y aura des petits dessins. Bon. Une table là. Tac, 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 tac. Là, il y a le fameux parapluie. Toujours. Et là, je sais pas, un manège. Ouais. Donc. Là, il va utiliser justement Coco, vu qu'ils sont au même endroit. Le parapluie, ça va être Soko. Et le manège, à Soko. Voilà. Ça dépend. C'est pour ça que des fois, c'est... Et là, tu fais... Deuxième. Enwa. Lieu d'Essa. Alors, voyons voir. Le lieu, ouais. Voilà. En utilisant ces structures de phrases, on peut désigner un lieu ou l'endroit où se trouve une chose ou une personne. Donc. En gros, tu c'est ouais plus structure de la phrase. O P ara iwa asoko des. Les toilettes sont là-bas. Den wa wa ni kai des. Le téléphone est au premier étage. Yamada san wa Jimu Sho Des. Monsieur Yamada est au bureau. Donc en gros, tu vas avoir le sujet de ta phrase. Donc on va prendre des noix. Ton sujet. Ensuite, le Wa qui désigne que c'est de lui qu'on parle, du téléphone. Et après tu rajoutes juste Nikai, l'étage ou le machin ou l'endroit, je sais pas. Uchides. Danwa wa Uchides. Le téléphone est à la maison. Voilà. Voilà, Des. Des trucs comme ça. Et après, c'est pas force. En fait, voilà, tu peux utiliser avec Asoko, les trucs comme ça. On a vu juste avant, les toilettes sont là-bas. Donc, Ala Aiwa Asoko Des. Yamada-san wa Jimu Sho Des. Il est au taf, il est au bureau. Simple. Alors, lui, c'est... Donc le nouveau, c'est Doko Dochila. Donc ça va être... C'est les mots de question, si je peux dire. C'est le mot interrogatif. Voilà. Doko est un mot interrogatif pour demander le lieu. Et Dochila pour demander la direction. Dochila peut être également utilisé pour demander le lieu. Dans ce cas, l'expression est plus polie qu'avec Doko. Doko, c'est où ? Si, voilà. Exemple. O.
Terala i wa doko desu ka? Où sont les toilettes? À Soko des. C'est là-bas. Ouais, sujet. Qu'est-ce que tu demandes? Voilà. Les chiottes. Wa doko ou. Et deska, le ka, qui met l'accent sur la question. Voilà. Deuxième exemple. Et les bita. Wa. Dochira deska. Où est l'ascenseur? À Soko des. Pardon. À Chira des. C'est par là-bas. En fait, tu pourrais le traduire par par où se trouve l'ascenseur, quoi. Voilà. Après, il y a une question de politesse, comme d'hab. Donc, pour demander le nom d'un lieu ou d'une organisation, d'une organisation auquel l'interlocuteur appartient, telle que le pays, l'entreprise ou l'école, etc. On utilise doko ou dochira, mais pas nan. L'expression dochira est plus polie que doko. Donc, exemple, gakko wa doko desu ka? Quel est le nom de votre école? Gakko, école, wa, doko, deska. En fait, c'est, ouais, c'est, ça, c'est pas où est votre école, c'est plus, ouais, quel est le nom de votre école. Vous venez de quelle école, quoi. Deuxième exemple. Kaisha. Kaisha. Wa. Dochira deska. Pourquoi c'est que Super Meat Boy qui est... Dans quelle entreprise travaillez-vous? Kaisha wa dochira desu ka? Quelle entreprise appartenez-vous? Travaillez-vous? Une nouvelle page. Si on n'a rien écrit, c'est pas grave. Donc il y a le retour du no. Oh là là. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Ah, c'est par rapport au pays, je crois. Quand N1 est le nom d'un pays et N2 est un produit, N1, no, signifie que le produit est fabriqué dans ce pays. Ah. China. Flensuno. Je sais pas. Baguette. C'est baguette, qu'on dit. Ah, ça marche. Quand N1 est le nom d'une entreprise et N2 est un produit, N1 signifie que le produit est fabriqué dans, par cette entreprise. Attends, comment on dit Square Enix, no... Payenalu Fantasy. Je crois que c'est... C'est un katakana, je sais plus exactement. Donc ce serait ouais, plus comme ça. Pour les deux cas, le mot interrogatif, doko, est utilisé pour demander où et par quelle entreprise le produit est fabriqué. Prenons des exemples. Kolewa, doko no... Computer desu ka? Donc en plus on a collé. Collé wa. Donc le sujet. Doko, c'est la fameuse question. Et en fait, voilà, c'est ça. C'est, on demande d'où où est-ce que cet ordinateur a été fabriqué?
Quel est le fabricant de cet ordinateur aussi? On peut le faire. C'est vraiment ça, c'est... En fait, Dalé, c'est qui donc en fait, ouais, ça se demande qui où est fabriqué l'ordinateur. En fait, Dalé, je pense que tu pourrais l'enlever le non, le coller. Pourquoi je dis Dalé? Donc, coller. Oui, ce. En fait, c'est ouais, ce ou. Pour l'enlever en fait, tu pourrais faire de Kono à Computa DSK, ça devrait suffire, j'ai un doute hein. Donc collez-moi de Kono à Computa, voilà. Je cherche qui a fabriqué l'ordinateur, quel est le fabricant, et en réponse tu peux faire Nyon no Computa DS, c'est un ordinateur japonais ou Pawa Denki no Computa des. C'est un ordinateur de power électrique. Voilà. Donc je sais pas. Windows no Computa des. Est-ce que pour le nom d'entreprise, vu que c'est Windows, ça veut dire fenêtre, est-ce que c'est Mado? Parce qu'en japonais, fenêtre, c'est Mado. Mais après, vu que c'est un nom d'entreprise, ça va faire Windows. En fait, Microsoft No. Computa des. Ça reviendra peut-être plus comme ça. Ouais. Bon. Ouais, qu'il y a des fois les noms étrangers. C'est pas forcément le taux hein, qui prend. Hein. Des fois, j'ai vu, c'est des. Des thés, ou des trucs comme ça. J'espère que c'est bon. Alors, avant dernier, Kosoado démonstratif. Donc là, ça, ouais, ça va être un petit tableau qu'on avait déjà plus ou moins vu. C'est l'association de ce qu'on avait fait avec le 2 et là, donc là c'est les co, là c'est les so, là c'est les a, là c'est les do. Il faut prendre en fait, tu peux vraiment faire un joli tableau. Donc là ouais, bon, c'est écrit en français, c'est les choses. Ça c'est chose mais personne. Et pourquoi il prend pas en compte là il y a les lieux. Et là c'est on va mettre direction. Direction, lieu est plus poli que les lieux. Bon bah ça a collé. Soleil. Allez. Mais Dolé. Kono. Sono. Ano.
Dono. Coco. Soko. Oui, c'est pas Ako, c'est Asoko. Attention. Et Doku. Fata. Kochila. So. Chila. Ah. Chila. Et Do. Chila. Voilà. Il y en a d'autres. Mais. Pas sûrement pour plus tard. Donc. C'est assez important. Prendre en compte. Oh, pour poser des questions, tout ça. Ça met un peu de temps, enfin, ça, moi ça m'a mis ça me met un peu encore du temps à bien tout assimiler ce truc. D'ailleurs. Ah, quand même. De toute façon, c'est qu'un tableau. Et le dernier, avant de passer à la traduction. C'est le haut quelque chose. Je crois qu'on l'avait déjà vu. Sans doute. Le préfixe haut, ajouté à un mot concernant l'interlocuteur ou la tierce personne, exprime le respect du locuteur envers celui-ci. Je crois qu'on l'avait déjà vu par rapport à la politesse, si c'était devant certains mots, je crois. Oui, il y a un nom. Mais là, c'est. C'est vraiment concernant l'interlocuteur ou la tierce personne. Exemple, tu peux dire. Kuni wa dochila deska. Donc, d'où venez-vous? Mais si tu dis Okuni wa. Dochila deska. C'est d'où venez-vous, mais c'est plus poli. Voilà. La politesse avant tout. Donc les explications grammaticales, c'est bon pour là. Et on va passer à la traduction. Avec tous les éléments qu'on a pris. Français, japonais, c'est pas mon fort. Mais... Structure clé. Alors, ici, c'est le restaurant. Donc, tu peux dire l'estolan wa coco des, c'est ça, ouais, c'est le numéro de n, donc le nom wa lieu des à coco des. L'ascenseur est là bas et là bas. Ah, l'ascenseur, c'est... Elle est bêta, wa Asoko des. Prastip. Est-ce ici Shin Osaka? Si on reprend exactement, donc ça c'est par rapport les lieux donc Coco, mais un peu Shin Osaka wa, si j'ai bien non
Attends. Oui, normalement, Shinosaka-wa. Koko-desu-ka? Hai-des. Oui, c'est ça. Hai-des. Ah, mais c'est vrai qu'en fait, tu le mets juste avant ouais, le verbe, quoi. J'avais pris plus l'habitude de le mettre avant. Où sont les toilettes? Là, c'est... il est. Oui, il est. Wa. Doko desu ka? C'est là-bas. Asoko desu. Où est monsieur Yamada? Yamada-san wa? Là, vu que c'est plus une personne, c'est une personne donc Dono. Et pas Doko. Parce que Doko c'est pour les deux. Dono c'est chose personne comme on avait vu avec. Peut-être laisser celui-là. Dono Deska. Oui, monsieur Yamada. Il est dans la salle de réunion. Peux dire Yamada-sanwa. Salle de réunion. Kaigishitsu des. Où est le bureau? Jimusho wa doko desu ka? Je dis beaucoup doko, mais c'est dire d'Ochila veut être un peu plus poli aussi. C'est là-bas, donc Asokodes. De quel pays venez-vous? Dans les pays, c'était. Ah, venez-vous? Normalement, si je dis pas de bêtises, pays, Kuni, Kuni wa, doko desu ka? Kuni, pays, Kuni wa, doko desu ka? Eh bien, des États-Unis. On va garder la France en fait. Je viens de France. Ça va être Florence Des. D'où viennent ces chaussures? Donc Dalewa Doko no Kutsu Deska. Ce sont des chaussures italiennes. Italia no, no Kutsu Des. Combien coûte cette montre? Oh! ah oui, c'est. Ok! Wa. Ikula. Deska. Elle coûte. 18 600. Donc ça va faire man
Hachisen Loku Yaku Lopyaku. Il y a liaison. Lopyaku Hen. Attends, on va faire parce que. Donc. En gros, comment tu l'écris? C'est tac, 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 tac. Peut-être un peu trop vénère ce trait. Tac. Donc après, c'est 8. Attends, 8, c'est lui. Oui, oui, c'est lui. Oula, non. Tac, tac, tac. Oh, au secours. Ah, ça fait longtemps que le 8 est... Ok, c'est bien celui-là. D'ailleurs, c'est plus comme ça. Ah. Donc 10 000 man. Hachi Sen Lopyaku Hen. Yes. Ouais. Oui, parce que là, pour les bails d'argent, même si c'est Yaku, ça a pas mal de liaisons avec, je crois, le 6, le 8. Et de temps en temps le 3 c'est le 3 c'est plus avec les 1000 c'est tu dis pas sen san sen c'est san zen voilà donc les phrases types c'est bon conversation ta vendeuse a bonjour. Donc, ça va être. Et là, Shaimas Maria qui dit excusez-moi. Ou et le rayon de le rayon des vins. Sumimasen. Donc. Wine. Est-ce que ce serait pas le en fait moi je le dirais où est le rayon des vins c'est ce serait plus parce que par rapport à la réponse c'est au premier sous-sol donc en fait ce serait plus en fait, ouais, Wine wa Nankai Deska. Quel étage se trouvent les vins? Tu vois? Le rayon des vins. C'est tellement littéral en fait. C'est... Parce que si tu veux faire où est le rayon des vins, ce serait. Wine au. Je crois, ou Liba. Ouais. Doko Deska. Truc comme ça. Ouais. C'est rayon des vins. Why no. Ou Uliba no wine. Wa. Doko Deska. Et vu qu'il répond au premier sous-sol, donc ça va être Chika Ichikai Des. C'est une question d'étage en fait.
Ouais, après là, par rapport à la traduction, comment tu... En fait, t'essayes de faire au plus simple, quoi. Merci. Allez, gâteau. Ou domo. Tu as les gâteaux, c'est bien. Maria qui fait excusez-moi, pouvez-vous me montrer ce vin? À une autre vendeuse. Mima. Ben? Wine o misete kudasai. Aïe, donc oui, le voici. Oui. Ah, tiens. C'est pas Death. Tiens, il y est pas. Je crois qu'on l'a pas vu. Peut-être faut vraiment que je fasse des associations avec l'autre. 2 secondes. Ah. Oui, les étages, tout ça, c'était à mon 15e cours, donc. Non, mais la vente, c'était bien avant. C'est ici, voilà. Ah oui, ça utilise déjà. Donc, hi, Jackole au Kudasai. Je crois. Ouais, t'aimes tellement de façons de dire. Oui, le voici. Ah non, ça va être, je vais le prendre plutôt. Peut-être le voici. Aïe, dozo. Ouais, c'est plus ça. Oui, le voici. Aïe, dozo. D'où vient ce vin? Wayno. Non. Wine wa. Pardon. Wine wa doko deska. Il vient du Non. Oui, doko no wine deska. Oula, je fatigue. D'où vient ce vin? Donc doko No wine deska. Il vient du Japon. Nihon no wine des. Donc, combien coûte-t-il? Ikula deska. Nicolas Desca, c'est 2500 yens. Donc, ni Nissen Go Yaku-hen. Alors, donnez-moi celui-ci. Déjà. Donner
Ah oui, c'est Oh, c'est chelou. Ja, Wine au Kudasai. Voilà. Donc ça, c'est la fin de la conversation. Donc on a fini pour la leçon numéro 3. Plutôt intéressante, je dois dire. Mais c'est vrai que, en fait, ouais, c'est vu que c'est pas... comment dire... En fait, j'ai déjà fait pas mal de cours, par exemple, sur là-dessus, avant. Vu que c'est pas les mêmes cours, il y a des différences et je suis toujours, enfin, mon cerveau est en mode tiens, en plus, alors donnez-moi celui-ci, ça va être pas en plus, enfin, comment je l'ai appris, ça va être plus collé au kudasai. Je le prends quoi. De toute façon, en fait, c'est ça la traduction et c'est vrai que ouais, passer. Du japonais au français, je me débrouille. Ça dépend, hein. Pas pour tout, parce qu'il y a des trucs que je ne connais pas encore. Mais français au japonais, sachant que. Non, mais. Au final, ouais, faire la traduction à la fin, c'est plutôt. Peut-être le mieux. C'était beaucoup plus rapide que. Les autres fois en termes de train, mais c'est surtout que là aussi, t'as c'est beaucoup en mode des phrases assez simples, je dirais. C'est très le à la fin des. T'as pas, je crois qu'on n'a pas vu d'autres verbes pour le moment ou très vite fait. Mais enfin, leçon 4, donc ce sera demain matin. Et a priori, ah, je vais mourir. Ça se portera à sur du verbe. Ah bah justement, le temps. Sur pas mal de trucs en réalité. Ouh, l'heure. Les jours de la semaine, les dates, si je peux dire le matin, le soir. Ok. Oh, je maîtrise un peu mieux. Ça, ce sera demain.